Bienvenue sur Rock Moderne pour une deuxième partie de vidéo consacrée aux arrivages du Japon du mon disquaire préféré, donc Record City de Tokyo. Alors évidemment maintenant avec le change, puisque c'est vendu en dollars, en fait c'est pas en yens, même si le yen s'est affaibli comme la livre sterling, mais comme l'euro aussi s'affaiblit par rapport au dollar. Et qui vendent en dollars, donc ça devient de moins en moins intéressant. Mais quand même, il y a des prix très attractifs. Je vais vous en parler au fur et à mesure. Voilà, donc deuxième partie, je vous ai présenté en première partie Arrivage du Japon de chez Record City, notamment l'album de Simple Minds. Et là, on a la deuxième partie avec notamment ce qui a motivé ma commande, c'est cette pépite, cette rareté de Divo, du groupe Divo. Donc je vais vous parler maintenant. Alors, donc Divo a sorti en 1984. Je vérifie toujours parce que on peut avoir des petits trous de mémoire. Oui, c'est ça, 1984. Donc son sixième album studio. C'est difficile un peu de compter parce qu'il y a eu des lives, il y a eu pas mal d'albums d'inédits, d'albums intercalaires, de mini-albums, tout ça. Donc voilà, donc à peu près environ le sixième album studio. Alors leur carrière, un petit peu parallèle à celle de Danny Elfman avec le groupe Oingo Boingo, tant par la date de fondation, hein, milieu des années 70, Divo et puis Oingo Boingo pareil. Et aussi le style de musique, un petit peu plus électronique quant à Divo, mais quand même, au départ, on a un petit peu la même originalité, la même veine, je trouve, de ces deux groupes. Voilà. Alors, on avait comme membres Alan Mayer et Bob Lewis et Bob Moserbaum, etc. Enfin, ils sont assez nombreux, hein, ils sont au moins une dizaine. On les voit notamment 5, mais on les voit généralement sur leur estrade de concert, sur leur scène de concert. Donc ils sont assez nombreux. Et notamment 5, mais je vois qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a une dizaine de membres en fait. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire. Donc ils avaient démarré en 73. Voilà. Alors album très bon avec deux titres. Phare, je vais vous d'abord sortir, vous voyez, toujours très bien emballé, sortir l'album. Alors, le voilà, donc, toujours, en plus, il est toujours sous blister, c'est pour ça que c'était vraiment une pépite à avoir. Alors, bon, je l'ai payé quand même 25 euros, mais les autres, les trois autres, il y en a un à 3 euros, un autre à 5 euros, un autre à 2 euros. Donc voilà, donc ça a compensé si vous voulez. Toujours en bon état. Alors en effet, on a les albums qui sont distribués au Japon. Voilà, Ono It's Divo et leur premier album. Leur premier album, Ono It's Divo de 1982. Voilà, et leur premier album ici. Là, c'est rien dedans. Alors les titres, bien évidemment. Donc c'est Air to Go, le single le plus connu, et surtout Shout, titre de l'album, qui commence un petit peu par des trompettes au synthétiseur, style héros du Moyen Âge. Voilà. Alors, vous voyez, donc toujours des disques impeccables. Je pense qu'ils ne les lavent pas quand même. Moi, je les repasse au gel après, je ne peux pas savoir, parce qu'ils sont vraiment impeccables. Impeccables, impeccables, sont vraiment des raretés. Et on a l'équivalent de la sous-pochette. Alors, voilà, fin de la sous-pochette avec les cinq membres du groupe, je pense. Oui, c'est ça. Voilà. Et on a de l'autre côté, ouais, je ne sais pas pourquoi ils ont mis les chansons. Alors là, les chansons en anglais et là en japonais. Et puis on a encore un leaflet en japonais avec les crédits, je pense, etc. Voilà. Donc, ce que je pouvais vous dire sur ce Divo. Il me semblait qu'ils étaient de Détroit. C'est même pas marqué sur Discogs, vous voyez, mais il me semble de mémoire, mais à vérifier, je vais regarder quand même, comme ça, puisqu'on a un petit peu de temps. Niveau, vous voyez, c'est vraiment pas préparé. Hein. Wikipédia.
est un groupe américain originaire, non, d'Akron, en Ohio. Voilà. On prend les membres originaires de Kent et... Bon, c'est peut-être que j'avais rêvé. Voilà, ils sont d'Ohio, aux États-Unis. Bon, alors on passe à un groupe australien que vous connaissez sans doute tous. Et alors, chose incroyable, je croyais l'avoir déjà, ce disque en import japonais. J'ai l'import américain, le pressage français, mais j'avais pas le japonais. Alors, Made at Work, un album, je pense, éponyme. Hein. Non, Business at Usual, voilà le titre de l'album, avec évidemment le fameux tube dont j'ai oublié le nom, Wokan It Be Now, voilà, que j'avais en petit 45 tours, que j'avais donné, j'avais offert d'ailleurs, j'avais offert aussi l'album, voilà, donc on va refermer ça, la pochette. Je vous le remonte. Business at usual. Voilà. C'est le membre du groupe. How Can It Be Now. Et puis il y avait aussi un autre single. Down Under. Voilà, je cherchais. Tracklist. Down Under. Donc 1981. Tube qui a été surtout répandu en 1982, hein. C'est sorti, il me semble, fin 81, mais c'est surtout en 82 qu'on l'a entendu en France. Voilà. Alors, chez Epic, Divo, c'était chez Warner, vous aviez reconnu. Divo, ils ont toujours été fidèles parce que finalement, ils ont toujours été chez Warner. Voilà. M'était arrivé, je vous avais présenté la box de Divo. Et donc, Men Without Hat, hein, mais Men at Work, donc chez Epic CBS. C'est pas un pressage hollandais, là c'est bien sûr un pressage japonais. Mais qui c'est qui presse ça au Japon? On va marquer CBS. CBS, voilà. Alors pour finir avec le Men at Work, on a toujours ça qui est extraordinaire avec les imports japonais. Vous avez vraiment des renseignements parce qu'il faut quand même renseigner le public japonais à l'époque. C'est pas quand même sa langue natale, c'est pas sa civilisation, tout ça au départ. Donc ça peut être des... Pour eux, c'est vraiment de la musique qui vient de l'étranger. Alors même si c'est bien répandu au Japon, il faut quand même expliquer beaucoup plus que nous. On est beaucoup plus anglophile, américanophile. On est occidentaux, nous sommes des occidentaux, donc américanisés, American Way of Life, société de consommation, bien ou en mal, hein, comme on, voilà, avec ses bons côtés, ses mauvais côtés, comme toujours, hein, le yin et le yang, les bons côtés de la société de consommation et les mauvais côtés, voilà, bien sûr, les dérives, mais voilà, pour les Japonais, je pense que c'était mieux fait, il y avait quand même des traductions, c'était traduit. C'est un petit peu comme si nous, on avait des albums des Beatles avec les paroles en français, ces paroles en anglais, ça existe peut-être, mais voilà, c'était quand même pas mal fait pour eux. Alors pour en venir à Divo, ben je crois que je l'ai sous la main peut-être, mais si je l'ai pas, c'est pas grave. Divo, ça doit être par là, normalement. Divo. Voilà, c'est là. Donc j'avais reçu, puisqu'on a 3 minutes, mais je vous invite à vous rendre sur ma vidéo, dans les playlists discographie, pour regarder Divo, et je vous l'avais présenté, hein, cette box. Alors, c'est la box qui réunit justement les fameux six albums, six premiers albums de Divo, dont l'album Shout. Ici, vous reconnaissez la tranche, là, ici. Et bah, il est arrivé vraiment une catastrophe avec cette box, parce que je la commande chez Warner aux États-Unis, directement sur le site, et puis il me l'envoie pas, les mois passent. Et donc je fais une réclamation sur PayPal, et PayPal me la rembourse. Voilà. Et à ce moment-là, bah, il me l'expédie, peut-être pour pas avoir d'avis négatif, je sais pas, il me l'expédie, mais alors sans compléter mon adresse. Heureusement, le transporteur qui était à Montpellier, basé à Montpellier, m'envoie un mail
Et je réponds à ce mail en précisant mon adresse. Ils me l'ont livré. J'ai payé 40 € de droits de douane à l'époque, alors que ce n'était pas obligatoire. C'était avant la loi de 2021. Pourtant, j'ai payé 40 €. Mais finalement, on m'a remboursé cette box qui valait plus de 100, 150 €. Je me souviens plus, 100, plus de 100 €. Et en plus, il y a eu un petit patch ici. Enfin, ça a été la totale. Finalement, j'ai pu l'avoir. Mais ça a été vraiment incroyable. Elle a failli se perdre. Enfin, ça a été un cauchemar pendant au moins 3 mois. Voilà, ça a duré 3 mois cette histoire. Vous voyez, on revoit l'album Shout ici. Voilà, ça je vous l'avais expliqué. Donc, je vous l'avais expliqué dans ma vidéo discographique sur le groupe Divo. Voilà, petit aparté donc. Alors maintenant, on va passer au groupe un peu plus féminin. Donc, on va démarrer par le groupe Hot Gossip. Alors, vous vous souvenez de cet album que je vous avais présenté, pareil dans la playlist, vous verrez, discographie, Hot Gossip. C'était surtout le label British Electric Foundation créé par Evan 17. Je regarde s'il y avait d'autres choses. Voilà. Donc, qui avait été créé par Evan 17 en 1981. Et bien évidemment, ce groupe avait été à l'origine fondé par Harlan Phillips en 1974 et sans avoir eu énormément de succès. Et finalement, c'est un groupe assez sulfureux et pour des raisons de vidéo, puis aussi de talent dans le disco. Bon, Evan 17, par son label British Electric Foundation, BEF, chez Virgin, donc, a récupéré Harlan Phillips et ce groupe, et a sorti cet album, Geisha Boys and Temple Girls, qui est en fait qui inclut un morceau de remixé par Hot Gossip, réinterprété par Hot Gossip, mais avec la même musique que l'on trouve sur le premier album d'Evan 17 en face B, piste 1, donc en version originale. Un morceau très électronique que je vous ai mis dans mon mix. Voilà. Alors voilà un petit peu aparté. Ils ont sorti aussi Soul Wafer, aussi comme single, et puis I Don't Depend on You, une reprise de The Men avec Human League, puisque Evan 17 faisait partie de Human League. Voilà un petit aparté sur Hot Gossip. Et là, j'ai fait venir donc du Japon leur dernier single, alors sans la British Electric Foundation, c'est plus disco, électro-disco pop. Et bon, c'est pas leur meilleur, mais il fallait que j'aie toute la collection. Donc, chez Vanguard, le label qui précère Ronnie Griffiths, avec Bobby Orlando, hein. Donc à savoir, vous voyez. Donc, un import américain, par contre, c'est pas japonais, 1984. Donc, Don't Beat Around the Bush, morceau disco, électronique, un petit peu, bah, je vous dis, High Energy Disco, un petit peu, hein. Mais ça touche un petit peu la New Wave, je trouve. Hein. Ça recouvre un petit peu la New Wave. Alors, 1900, donc on est en 1984. Produit. Voilà, c'est le producteur avait changé, produit par Ian Levine quand même. Hein. Donc bien connu aussi comme producteur. Voilà. Chez Fanfare Records, le petit label, et c'est pressé par Vanguard. Je ne sais pas, un label de CBS. Hein. On reconnaît bien les macarons là, un petit peu. Avec une pochette quoi arrondie d'origine. Vous voyez, avec le blister toujours. Et là, j'ai acheté ça quelques euros. Hein. Quelques euros. Et celui-ci aussi, pareil, il était à quelques euros. Des Bellstars. Alors, Bellstars, groupe Britpop. New Wave. Donc, avec Stella Barker. Clara Hirst, voilà. Donc, ils sont pareil 5, 6. Sylvain Anarama, mais un petit peu plus, je trouve, peut-être moins commercial, quoique, au départ. Non, c'est un peu équivalent, un peu dans le style de musique, tout ça. Ça fait partie de ce mouvement que j'appelle New Wave Fun. Hein. J'avais baptisé New Wave Fun. Donc, The Bell Stars, avec plusieurs morceaux. Hein.
Sign of the Time, un tube de 1983, puisque l'album est sorti en 1984, fin 82-83, de mémoire. Ça, c'est de mémoire, on va voir la date. Oui, 83, voilà. Sign of the Times, avec The Clapping Song, leur premier tube, Indian Summer aussi. Et on avait aussi Mockingbirds. Donc chronologiquement, je crois qu'il y avait donc The Clapping Song. Ensuite, donc de été 82, Mockingbirds fin été 82, Sign of the Time début 83, Indian Summer été 83. Il devait y avoir aussi Ico Ico aussi, hein, qui était sorti. Je regarde, il me semble. Ouais, Ico Ico 82. 82 aussi. Il y avait 5 singles, pas mal de choses. Voilà, pour le prix, il ne fallait pas s'en priver. Surtout qu'il y avait un forfait de 10 euros de frais de port. Alors là, j'ai pas hésité. Ils ont, comme la parité a dégringolé vis-à-vis de l'euro. Eh bien, vous voyez ce qu'on a en plus. Parce que sur. Comme la parité a dégringolé, ils ont diminué leurs frais de port. Voilà. Voilà, donc. Et aussi, donc ça on l'a pas dans l'import anglais, on n'a pas de sous-pochette du tout, on a juste une pochette en papier, voilà, donc c'est assez appréciable d'avoir ces magnifiques photos du groupe. Voilà, vous voyez, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, un peu comme les Bananarama d'ailleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 même, voilà, ce sera la photo ici, voilà, même il y a les noms, hein. Sarah Jane Owen, Jenny... Mac Cohn, Miranda Joyce, Claire Hirst, etc. Alors vous avez les noms ici. La tracklist, je vous la mets un petit peu plus. Alors chez Petit Label, ça aussi, c'était chez qui ça? Made in Japan, c'était Stiff Records, hein. Et pressé par qui au Japon? Parce que Steve, je doute que... Victor, c'était Victor qui pressait ça au Japon. Voilà, donc... Toujours des vinyles extra, extra. Donc 4 disques. Hein. Là, je crois que j'ai payé. Les 10 euros, c'était sur une solde des frais de port par Waxwork. J'ai eu 10 euros, c'était pas cher du tout pour un vinyle. Un double, et par contre, pour je crois que c'était 15 euros, j'ai payé pour de frais de port pour Record City. Voilà, donc tout ce que je pouvais vous dire. Bon, 17 minutes, je vérifie quand même, puisqu'on attend sur le Warner Bros. De Divo, qui c'est qui passe ça au Japon, Japan under licence de Warner. C'est même pas marqué. C'est sous licence Warner. WEA. Voilà. En fait, c'est WEA Japan. Voilà. Tout ce que je pouvais vous dire sur ces arrivages. Donc, je vais présenter la vidéo à la suite de la première, qui a été quand même enregistrée à 15 jours d'écart. Mais au moins vous avez la première partie et la deuxième partie, ça vous, que vous pouvez souffler, puisque ce sont des vidéos assez courtes. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Y aura des arrivages aussi. Bien sûr, notamment la box, bien sûr, de Regine Eden du Travox, hein, les deux box. Je vous en dis pas plus. Et puis aussi des arrivages pop rock indépendants, etc. Et puis des rééditions, tout ça. Donc la semaine prochaine, je pense que je vais mettre la box du Travox. Et encore dans 15 jours, j'aurai tous les arrivages. On aura donc les arrivages, notamment l'album de Simple Minds qui est en cours de transport, le dernier album. Voilà, je ne sais pas si je ne ferai pas une petite vidéo spéciale sur Simple Minds, qui mérite quand même, je verrai, sur un petit unboxing. Voilà, allez, donc, écoutez, amusez-vous bien, et puis bon divertissement, et bonne écoute aussi. Bien sûr, vous abonner, activer la cloche pour être prévenu des notifications de nouvelles vidéos.
Et puis voilà, donc abonnez-vous, on a dépassé les 1600, c'est la voie royale qui se trace devant nous. Et donc je vous souhaite un bon retour sur la chaîne et des commentaires surtout, hein, voilà, même s'ils sont un petit peu cavaliers, dirons-nous, voilà, peu importe, voilà, on me reproche de présenter trop de choses de différentes, mais c'est un petit peu normal parce qu'il faut quand même toucher un large public. Les goûts, hein, je m'aperçois que les goûts sont très éclectiques. Donc si on se spécialise dans une catégorie de musique, on risque d'être prisonnier de ça au point de vue abonné, nombre d'abonnés, donc de toucher moins de monde, intéresser moins de monde. Et en plus, moi, mes goûts, je vous dis, ça, ma technique, c'était acheter. J'étais rabatteur en fait de disques pour Radio France. Hein. Donc, c'était toujours courir après la nouveauté, la nouveauté, une sélection quand même des bonnes nouveautés. Et donc acheter un maximum de disques, parce que ça a toujours été une avalanche de disques, hein, depuis, je dirais, depuis les années 70, hein, il y a toujours eu énormément de nouveautés tous les mois, toutes les semaines qui paraissaient, donc il fallait faire un tri, se procurer les imports, et après les apporter au présentateur de radio qui était un copain à l'époque, hein, d'ailleurs. Et voilà, qui me chargeait de ça. Et puis j'avais fait des émissions avec lui aussi en revenant d'Angleterre. Voilà, donc c'était un petit peu la course à la nouveauté et c'était perpétuel. Et j'ai gardé ça donc dans le sang un petit peu. Donc en fonction de mes goûts, tout ça, j'ai toujours acheté, j'ai suivi depuis 45 ans tout ce qui paraissait en faisant une sélection au fur et à mesure en achetant. Donc avec des styles, alors on a bien sûr ce stock de New Wave des années 80, mais on a aussi des années 90, des années. Alors ça, c'est plus du CD, années 90, années 2000 aussi. C'est un petit peu plus CD. Puis alors depuis 2000, on est revenu au vinyle. Enfin, je suis revenu au vinyle. Donc voilà, il y a un petit peu plus de choses, hein, mais toujours des nouveautés, toujours des. Voilà, je me renouvelle en permanence. Voilà, un petit peu la petite histoire. C'est la philosophie de la chaîne. Salut!